Là, on est en train d'analyser des résultats sur le cancer du poumon, non à petite cellule, donc une forme particulière de cancer. Et on regarde effectivement la quantité de cellules souches cancéreuses qui sont présentes dans ces tumeurs de patients qu'on a analysées. Donc là, on a à peu près 90 tumeurs différentes qui ont été mises sur une lame de microscope. Et on analyse chacune de ces tumeurs pour rechercher les cellules souches cancéreuses à l'intérieur. En France, près de 150 000 personnes décèdent chaque année du cancer. Tous les jours, la recherche médicale avance, de nouvelles découvertes émergent, et la lutte contre le cancer occupe une part primordiale dans ces avancées. En janvier 2017, Vincent Carré et deux autres associés ont créé Carcidiac Biotechnology. L'entreprise, basée au Centre des ressources domotiques à Guéret, développe des produits de diagnostic spécifiques pour les cellules souches cancéreuses. Alors la recherche contre le cancer peut-elle s'effectuer aussi bien ici à Guéret que dans les grandes villes? Quelle contribution peut avoir une entreprise privée à la recherche contre le cancer? Carcidiac Biotechnologie développe aujourd'hui des kits diagnostiques, pronostiques et à visée prédictive dans les prochains mois pour le diagnostic du cancer. Alors on travaille aujourd'hui sur différents types de cancers. Les plus avancés aujourd'hui sont les cancers du côlon. Et puis on a en développement aujourd'hui cancer du sein, cancer du poumon, les cancers ORL également, qui sont également en cours de développement. Alors aujourd'hui, nous, notre société, elle est spécialisée en glycobiologie, c'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les parties sucrées qui sont présentes à la surface des cellules. Et plus précisément, on travaille sur les cellules souches cancéreuses, qui sont une sous-population des cellules cancéreuses, qui sont notamment à l'origine des métastases des cancers et qui sont à l'origine notamment des proliférations des cancers. Bruno Védrine est directeur scientifique chez Carcidiac Biotechnology. Arrivé dans l'entreprise depuis seulement 6 mois, il définit la stratégie de recherche de l'équipe et s'assure de son bon déroulement. Actuellement, c'est beaucoup de la recherche et du développement, donc on va analyser différentes lignées cellulaires issues de cancers de patients. Nous, en fait, ce qu'on a développé, c'est des marqueurs qui vont aller détecter ces cellules souches cancéreuses. Donc on les met sur ces tumeurs. Ça va créer une coloration de ces cellules cancéreuses, et après on regarde sur le microscope combien il y en a, combien on a de cellules souches cancéreuses et si elles sont très colorées ou peu colorées. Donc ici par exemple c'est une tumeur d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Donc là par exemple on voit que c'était un patient fumeur, puisqu'on a des taches de goudron qui se retrouvent au niveau des cellules de ce patient-là. Ici, on a des cellules qui sont tumorales, mais qui ne comportent pas forcément de cellules souches tumorales. Et dans cette zone-là, où c'est coloré, on a plutôt une détection des cellules souches tumorales. Donc voilà, sur ce type de patient-là, on pourrait dire qu'il y a un mauvais pronostic parce qu'il risque d'avoir des récidives et des résistances à la chimiothérapie ou à la radiothérapie chez ce type de patient. Les kits de diagnostic conçus ici vont bientôt être commercialisés et distribués en France et à l'international. Au niveau national, nous, c'est la société Carcidiac qui va se charger de la commercialisation de ces produits. Commercialisation qui sera avant tout destinée aux anatomopathologistes et puis également aux oncologues. Et puis après, on va chercher un certain nombre de partenaires pour distribuer, donc des distributeurs, des marques distributeurs qui vont permettre de diffuser largement au niveau international nos produits, puisqu'en fait, on est sur un marché mondial, le marché du cancer étant bien évidemment un marché mondial. Les kits proposés par Carcidiac ne sont pas thérapeutiques, mais bien de diagnostic. Pour autant, l'entreprise a créé des partenariats avec de grands centres anticancéreux. On travaille avec un certain nombre de centres anticancéreux, l'Institut Paul-Y Calmette sur Marseille, l'Institut Gustave Roussy à Paris, on travaille également avec l'hôpital Georges Pompidou, l'Institut Curie et puis l'hôpital Bichat. Mais on travaille également avec Montpellier, avec Lyon et avec Bordeaux. Au niveau creusois, on a aujourd'hui un partenariat qui est en train de se négocier avec le centre MGEN de Sainte-Fère pour lancer une étude sur les cancers du poumon. Et pour créer ces partenariats, l'entreprise a su se positionner sur le marché, grâce notamment à son emplacement en Creuse. S'installer en Creuse et particulièrement à Guéret, c'était un choix d'installer une société, une start-up sur un territoire rural, un territoire sur lequel il n'y a pas d'autres sociétés de ce type-là. On a une meilleure visibilité vis-à-vis de l'extérieur. Et ça permet aussi de proposer aux gens qui travaillent chez nous un environnement qui est un bon cadre de travail, un bon cadre de vie également. Et généralement, on voit que les gens s'y retrouvent et ils ont envie de rester ici. On a un contexte ici particulier, économique, où
où finalement on est bien accueilli par rapport sans doute à d'autres régions plus importantes où il y a beaucoup plus d'acteurs. Il y a l'Oncosphère qui a été initié par la région Nouvelle-Aquitaine qui place quand même toutes les thématiques qui tournent autour du cancer comme une des priorités régionales. Donc l'idée bien évidemment c'est effectivement de participer à toute cette dynamique régionale pour mettre en commun nos connaissances et puis tout le tissu de start-up et d'industrie qui travaille sur la cancérologie. L'environnement et les projets menés par Carcidiac Biotechnologies facilitent le recrutement. L'entreprise compte aujourd'hui 11 personnes formées aux techniques spécifiques utilisées sur place. On a recruté 7 personnes sur une année, avec des profils allant de l'ingénieur, bac plus 5, à des profils de docteur en biologie. Nous prenons régulièrement des étudiants également, notamment sur des stages de master dans la société. Et puis nous avons aujourd'hui un certain nombre de thésards qui travaillent dans la société sur des sujets de recherche. Laura et Benjamin préparent leur thèse CIFRE sur 3 ans. Ils travaillent chez Carcidiac sur le diagnostic du cancer. J'ai été recrutée en tant qu'ingénieur d'études. Et aujourd'hui, donc, je suis ici aussi en vue de poursuivre pour une thèse CIFRE avec la thématique donc de l'étude des cellules souches cancéreuses des voies aérodigestives supérieures, donc autrement dit des cancers ORL. Effectivement, quand on voit le cadre, le sujet actuel est super intéressant. Au niveau scientifique, donc il y avait absolument tout à gagner à venir ici faire une thèse. C'est vraiment le projet qui m'a vraiment intéressée parce que c'est un challenge en fait de partir de rien et de, à l'issue des 3 ans, de pouvoir sortir des kits de diagnostic. Un étudiant en thèse voudra se confronter, voudra avancer le plus vite possible, le plus loin possible. Et je pense que c'est les meilleurs éléments pour pouvoir faire avancer la recherche et faire avancer une boîte. Ici, les thésards travaillent comme les autres chercheurs. De la recherche en laboratoire, mais aussi beaucoup de bibliographie pour suivre les dernières publications et avancer dans la recherche. On se base beaucoup sur la bibliographie justement pour faire un peu état de l'art de tout ce qui existe aujourd'hui dans la littérature scientifique. Après, c'est à nous voilà, de mettre en place nos protocoles, de faire en sorte qu'on arrive à trouver quelque chose. Il faut savoir que la science, c'est un milieu de partage. Donc effectivement, la communication via les publications et la bibliographie est très importante. Si j'arrive à faire des découvertes, par exemple sur une nouvelle technique qui serait innovante dans la découverte pour les cellules sous-cancéreuses, je pourrais faire une publication. Puis cette dernière sera reviewée et peut-être publiée par la suite. Donc pour faire une thèse, pour valider sa thèse, effectivement, il faut avoir fait une publication ou, dans le cadre d'une thèse aussi, il faut faire un brevet. Carcidiac Biotechnologies compte bien sur ses jeunes talents pour avancer. Prochaine étape pour l'entreprise, recruter de nouveaux profils scientifiques et commerciaux pour assurer la commercialisation de ses produits.